Salut tout le monde, c'est Ethan1975 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel créer son jeu Pokémon. Et aujourd'hui nous allons nous attaquer à créer sa propre boutique Pokémon. Donc tout d'abord on va ouvrir notre fichier de jeu comme d'habitude. Voilà, donc on se retrouve sur notre petite partie. Donc nous on était sur la map test avec notre centre Pokémon test justement. Et donc aujourd'hui on va apprendre à configurer la boutique. Donc on va juste refermer ça, parce que c'est très chiant. Voilà. Alors on va créer une nouvelle carte. Donc on va la renommer boutique, hein, par exemple. On va la renommer boutique. Et donc, comme vous allez pouvoir le voir, il n'y a malheureusement pas de chipset préenregistré pour la boutique. Et c'est ça du coup que je vais. Donc je vais vous apprendre à configurer un chipset pour la boutique. Donc après c'est valable pour tous les autres bâtiments que où il n'y aura pas de chipset préenregistré, mais voilà, ce sera juste pour vous montrer. Ensuite la musique, nous on va prendre la musique de quoi, vu qu'il n'y a pas grand chose, on va prendre la musique du centre Pokémon, hein, donc voilà. Sinon après vous pouvez aller prendre les musiques vous même sur YouTube par exemple, c'est plutôt efficace. Moi c'est ce que j'ai fait pour mon propre jeu. Donc voilà, on a la boutique, donc on va l'ajouter dans Map Test. Et voilà, on a notre boutique. Donc alors ensuite, on va configurer le chipset. Donc vous ouvrez la base de données. Et donc vous allez dans Gestion des chipsets ici. Moi j'étais déjà dessus. Et donc on va définir un nombre maximum d'éléments. Donc là c'est 17. On va par exemple mettre 27. On va ajouter 10 de plus. Voilà. Et là donc on a du nouveau. Alors. Pour pas se faire avoir, on va regarder d'abord les trucs du Poké Center. Voilà. Donc là on est Tailing et Mark. On va pas prendre le VP Center. Donc on a Tailing et Mart. Et on va venir ici et pour les carreaux autoliables, on va mettre exactement les mêmes. Voilà, les Tailing. Les trois Tailing. Ici. Le Mart. Donc voilà, moi je préfère faire ça pour éviter de faire des erreurs. Donc voilà, là du coup on a les carreaux autoliables qu'on a retrouvé ici. Là ils sont, en fait ils ont juste été inversés, mais c'est pas grave. Et ensuite, fichier du chipset, vous avez une immense base de données avec tous les chipsets disponibles du jeu. Et vous allez pouvoir en faire pas mal. Donc, vous voyez, il y avait des zones de combat. Cet extérieur là, c'est même des graphismes de Pokémon diamant et perle, je crois, ou or et argent, je sais plus. Et donc nous on va chercher quelque chose qui sera plus dans la catégorie boutique, donc on va chercher un petit peu. Il faut que je le retrouve parce que je sais que moi je l'avais trouvé sur le mien, mais faut que je le retrouve. Commerce. Donc ça, oui, ça c'est pour faire éventuellement des centres commerciaux. Donc voilà, vous pouvez là aussi vous pouvez faire des centres commerciaux. Voilà. Donc après le centre commercial, je pense pas faire de tuto dessus parce que déjà que j'ai pas fini mon propre centre commercial. Alors là on a quelque chose de, non c'est pas ça. Voilà des restes d'intérieur de maison. Je vais trouver le bon parce que il me semble que c'est dans ce genre de truc incomplet. Un truc est complet. Non mais ça c'est l'extérieur. Donc il faut que je trouve. C'est quel intérieur? Alors non, repère Team Rocket c'est pas ça. Route Pokémon. Ouais, ça le problème c'est que c'est un peu galère de trouver les chipsets qu'on recherche précisément. Alors attendez. Non, c'était l'extérieur. Bah oui, donc ça doit être dans les intérieurs, voilà, intérieur maison, intérieur Kanto Johto. Je crois que c'est ça. Intérieur Kanto Johto. Ouais, voilà. Donc voilà, moi j'ai un peu galère à le trouver, mais si vous voulez faire une boutique normale, vous pouvez prendre donc l'intérieur Kanto Johto, donc on va faire OK. Et donc là vous avez tous les chipsets du truc. Donc nous on va configurer uniquement ceux qui nous intéressent.
Donc d'abord, la praticabilité, donc c'est le fait que vous pouvez marcher dessus. Donc par exemple, tous les murs, on va l'enlever. Et même les escaliers, on va pouvoir l'enlever. Voilà. On peut l'enlever, les escaliers. Donc voilà, on va enlever la plupart des murs, hein, on désactive la praticabilité. Voilà. Alors donc moi, ouais, alors attendez, moi d'abord je vais prendre ce qui m'intéresse pour faire la boutique. Donc moi je veux faire une boutique bleue. Donc je vais utiliser ce mur-là. Donc voilà. Hop, je vais faire les deux. Hein. Voilà. Et ensuite, vous allez plutôt, enfin, si vous voulez poser des objets dans votre boutique, c'est plutôt à la fin qu'il faut voir ça. Il y en a plein, il y en a pas mal ici. Donc moi je vais prendre, non, pas devant. Mais voilà, je vais prendre la bibliothèque, ça, cette bibliothèque-là aussi. Et oui, les plantes aussi, parce que les plantes, voilà. Et quelques affiches, donc les affiches, on va toutes les prendre. Et la carte aussi. Donc voilà. Donc la carte, on verra comment la configurer dans un prochain tutoriel, parce que c'est quelque chose de plutôt complexe, donc voilà. Et donc, ouais, il nous manque quelque chose, c'est que je sais qu'il y a, voilà, ici, vous avez des sets de boutiques spécialement fait pour ça. Vous pouvez même créer un casino, moi je l'ai fait. Donc vous pouvez même créer un casino. Voilà, donc là on a tous les tilsets, je pense, utiles pour faire une boutique. Si après éventuellement, si, oui, si, on va aussi prévoir quelque chose, c'est, faut que je le retrouve. Puis, voilà, ici. Faut aussi prévoir quelque chose pour votre côté, c'est le comptoir. Donc, et ici, on va mettre une priorité de superposition sur le bord du comptoir. Afin que quand vous passiez sur le comptoir, vous passiez derrière et pas dessus. Donc voilà, là je pense que le comptoir, là tout est bien paramétré, je pense, pour faire la boutique. Donc alors ensuite, on va du coup aller sélectionner le chipset, le nouveau chipset d'ailleurs que j'ai oublié de renommer. On va aller le renommer. On va l'appeler boutique. Voilà, on va l'appeler boutique. Hop. Donc on a un chipset boutique. Alors on va faire exactement comme le centre Pokémon. D'ailleurs j'ai oublié un truc dans le chipset, c'est que il faut mettre une croix sur la case noire afin que vous ne puissiez pas vous déplacer en cas de case noire du coup. Donc voilà. Et maintenant on va pouvoir créer notre boutique. Alors on va retrouver le mur que j'avais tout à l'heure. Voilà. Alors 1, 2, 3. Je compte. Ah non, trop grand. Je compte comme ça pour faire la boutique. Donc 1. 3 et du coup là, non, là je crois, oui c'est ça, c'est bon. Et tac, on va d'abord faire les murs et ensuite on va se charger du sol. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces carreaux là au début. Et donc on va faire tac tac. Bon, allez, petite ma boutique là, mais on va peut-être pouvoir l'agrandir un tout petit peu éventuellement. On va la, ouais, on va l'agrandir. Oula, pardon, on va l'agrandir d'un, parce que là elle est un tout petit peu trop petite. Mince, voilà, un tout petit peu trop petite. Hop, voilà, là la bonne taille. Donc alors ensuite on va essayer de prendre le milieu et de faire un petit trou pour la porte. Donc voilà. Ou alors oui, on peut faire, oui, on peut mettre deux, c'est plus simple. Voilà, donc là on a l'apparence originale de notre boutique. Maintenant on va pouvoir rajouter des choses. Donc moi je vais rajouter, comme je l'ai dit, cette petite armoire là. Là. L'armoire, voilà. Je vais ajouter ça. Tac. Je vais mettre sur les murs quelques pancartes. Tac, une affiche promotionnelle. Hop, voilà. Une carte éventuellement, mais la carte on la retrouve plus dans le centre Pokémon, donc on va plutôt éviter. Alors ça, par contre, c'est important. On va mettre des présentoirs. Ceux-là aussi, ceux-là. Ah mince. On va peut-être les mettre en troisième couche, du coup, ceux-là éventuellement. Ou alors,
ouais, bien devant. Non, là, ça fait un peu con, là, quand même. Ouais, on va plutôt les mettre en troisième couche. Comme ça. Parce que de toute façon, on peut passer par dessus. D'ailleurs, il y a un truc qu'il faut que je modifie rapidement. Donc, regardez bien si jamais vous non plus. Voilà. C'est ouais, priorité de superposition ici pour le fou à 2. Et ouais, voilà. C'est bon. Voilà, donc là, on a grosso modo notre boutique. Et donc, on va ensuite mettre le comptoir qu'on a été paramétré tout à l'heure. Le comptoir, il est là. Il est là, notre joli comptoir. Alors, on va le mettre sur le côté de la boutique. Hein. Pas s'emmerder. Tac. Hop. Et, ouais, bah voilà. Voilà, on a là, on a notre joli comptoir, comme ça. C'est parfait. Alors bon, juste pour le fun, moi je vais... Ah mince, attendez, je l'ai mis sur la troisième couche, je vais le mettre sur la deuxième. Voilà. Oh, pardon, voilà. Et donc voilà, et juste pour décoder, enfin décoder, juste pour le fun, on va mettre quelques trucs sur le comptoir. Bah, moi je vais mettre un livre, et puis quoi d'autre. Bon, ouais. C'est-à-dire que c'est tout. Et on va mettre des plantes dans le magasin. Pour moi, c'est quelque chose de très important de mettre des plantes. Voilà. Donc comme ça, c'est pas mal. Comme ça, je trouve qu'on a une belle petite boutique. Donc maintenant qu'on a travaillé sur l'aspect graphique de notre magasin, on va plutôt maintenant travailler sur l'aspect événement. Donc moi, je commencerai plutôt par mettre les événements, les petits événements, comme par exemple, vous voyez sur cette pancarte. On va juste placer un événement, ajouter une commande, afficher un message, et par exemple on va mettre promotion moins 30% par exemple. Non, moins 30%, voilà. Promotion moins 30%. Tac. On fout ça ici. Enfin plutôt sur cette affiche là. Voilà, on fout ça ici. Et par exemple là on peut mettre mince. Attention. Aux vitrines, et je marque tiret fragile, voilà, comme ça. Attendez, ouais, c'est pas grave, voilà. Donc voilà, on met ça par exemple, et ensuite on passe au dernier truc le plus important de la boutique. Bon, éventuellement vous pouvez mettre des PNJ, mais bon, là vu la taille de la boutique, c'est pas forcément une bonne idée. Que du coup là ils vont être un peu serrés et ça sera galère, ce sera très galère pour passer, mais bon. Et ensuite on va placer un nouvel événement, donc il va falloir choisir son apparence. Donc moi je sais quelle apparence je veux pour mon vendeur, mais il faut juste que je la retrouve parce que c'est quelque chose qui est là dedans je crois. Non, c'est pas ça. Alors, ouais, moi, je suis un peu chiant sur les apparences parce que, comme j'ai déjà créé le jeu, enfin mon propre jeu, je connais déjà la plupart des apparences, du coup des trucs. Et donc, voilà. What? Alors, je dois pas être très loin. Ah genre, je découvre des trucs. Alors mince, ouais, là du coup on se retrouve dans les apparences de Pokémon Diamant. Et c'est pas trop ça que je cherche. Ouais, donc là ouais, il y a masse Pokémon. Allez, 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 on dégage. Pardonnez-moi si ça prend un petit peu de temps. Hein, vous pouvez éventuellement avancer la vidéo jusqu'au moment où je trouve... cette chère apparence dont j'ai besoin. Oui, voilà. Apparence du professeur Shen. D'accord. Là, c'était bien. Voilà, ok. Pokémon Diamant, là, je commence à pas en avoir marre. S'en fout. Ou alors, c'est que j'ai peut-être fait une erreur. Ouais, là, on tombe encore sur ce genre de truc. Ouais, à mon avis, j'ai peut-être fait une erreur. Voilà. On va partir d'ici. Alors,
Ouais, là on tombe sur des trucs comme ça. Je vais essayer de retrouver le player que j'avais trouvé. C'est extrêmement bizarre. Alors, il n'est pas au début, ça j'en suis sûr. Alors attendez, alors on se rapproche des graphismes normaux. Ah oui, à la limite, oui, vous pouvez prendre ce personnage-là, ça fait plus boutiquier. Moi, j'avais pas pris celui-là. Mais j'essaye juste de voir déjà si je le retrouve. Et si jamais je le trouve pas, on prendra l'autre. Ouais. Bon bah je crois que c'est mort. Ouais. Ah, d'accord. Bon, je le trouve pas, donc du coup on va prendre l'autre. C'est pas grave. Donc désolé encore d'avoir cherché longtemps. Voilà, donc c'est celui-là. Hop, donc on va prendre ce personnage-là. Et alors donc on va afficher un message, donc une phrase de bienvenue par exemple, bonjour. Bonjour. Ah, bien. Oh là là. Comment j'écris ? Bienvenue à la boutique de à la boutique de test. Voilà, on va l'appeler comme ça. Bienvenue à la boutique de test. Voilà. Et ensuite, on va aller ici et on va appeler un magasin. Et vous allez pouvoir choisir les objets vendus par. Par votre vendeur. Donc nous on va mettre une Pokéball. Enfin, ils vendent des Pokéball, des potions et par exemple attendez, faut quelque chose de pas trop cheaté non plus, des huiles. Voilà, Pokéball, potion, huile. Voilà, c'est bon. Et vous pouvez ajouter une dernière phrase de politesse, donc moi je vais mettre au plaisir. Au plaisir de vous revoir. Voilà, au plaisir de vous revoir. Tac. Donc voilà, on a notre boutique. Donc presque fini, puisque maintenant il faut qu'on mette quand même les événements de téléportation. Ce serait dommage. Alors on va mettre les événements de téléportation. On va se téléporter à la map test. Là, l'avantage du coup, c'est que vous pouvez copier-coller l'événement. Puisque c'est exactement le même. Et donc on va placer ici un nouvel événement. Donc téléporter. Donc je vous le rappelle encore une fois que les portes animées, j'en parlerai lorsque je ferai mon tutoriel sur les arènes Pokémon. Donc normalement qui sera mon prochain tutoriel, si je me plante pas. Attendez, je regarde. Oui, c'est ça, donc ce sera mon prochain tutoriel sur les badges et arènes. Donc voilà. Donc voilà, maintenant on a fini et on va pouvoir faire un petit test rapide. Voilà, ça charge. Donc, on était sur... ouais, c'est cette partie-là la bonne. Voilà. Et donc, on est dans la boutique. Et donc on a notre musique, ça passe, regardez, on passe bien derrière le truc. Là, voilà, on peut passer. Le comptoir, idem, ça passe nickel. Et vous allez parler. Ah oui, mince. Là par contre, voilà, là il nous manque quelque chose, et c'est normal. Le truc qui nous manque, si vous pouvez pas parler, c'est tout simplement à cause de ça. Il faut vous mettre. Faut que vous cliquiez sur carreau d'interaction et que vous mettiez ça, ce qui vous permettra de parler à travers un mur. Donc après vous pouvez justement, après avec ça vous pouvez faire des petits trucs sympas, comme mince, mauvaise partie, je me plante à chaque fois. Donc je disais, vous pouvez faire des petits trucs sympas comme des glitches du jeu, par exemple parler à un mur. Alors en fait c'est quelqu'un qui est derrière le mur et du coup avec la priorité d'interaction, enfin avec le truc d'interaction, vous pouvez savoir. Donc,
Donc ensuite voilà, là ça fonctionne. Vous pouvez acheter. Et vous avez les items que j'ai mis tout à l'heure. Donc Pokémon, potion et mine. Voilà. Donc voilà, ça a bien effectivement fonctionné. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et aidé. Bien entendu, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Voilà, on va fermer quand même. Voilà. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à foutre un pouce bleu sous la vidéo, ça me fera plaisir. Donc bien entendu, n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires si jamais vous n'avez pas tout compris. Donc je pense surtout à propos des chipsets, parce qu'il y a quelques trucs qui sont complexes. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas tout compris à propos des chipsets, n'hésitez surtout pas à me mettre un commentaire. Et bien entendu, si vous ne l'avez toujours pas fait, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner à ma chaîne. Voilà, donc on se retrouve la prochaine fois pour mon tutoriel sur les badges et arènes. Et je ne vais vous dire qu'une chose les gens, salut tout le monde !